Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des produits Candy San sucrés cette fois puisqu'il y a peu de temps on avait fait une vidéo Candy San salée et la particularité de cette vidéo c'est que ces produits Candy San sont tous périmés, et oui, et donc je vais les tester puisque pas de gâchis sur Miam Food, je les avais dans un placard, je me suis dit il faut quand même les manger, donc je vais les manger. Et pour ça je vais les déguster avec vous, donc sur la table nous voyons des Oreo Soft Cookie, il y a un petit œuf surprise chocolat Super Mario, il y a des bonbons effervescents, il y a des petites orangettes, donc orange chocolat, il y a des petits gâteaux en tête de panda, il y a des petits bonbons, et là il y a deux produits Yokai. Eh bien voilà, je pense qu'on va se régaler, donc je vous propose de commencer tout de suite, et on va commencer par les gâteaux Oreo, j'adore ça en plus, ça tombe très bien, et ce sont des soft cookies, voilà, donc a priori il y a du chocolat au-dessus, en dessous, avec la petite crème qui va bien comme d'habitude, et il y a une petite pointe de, je ne sais pas quoi, voilà, de noisette ou de marron, peut-être, on va voir, des marrons, regardez. Je pense que c'est marron. Et la date de péremption, c'est le 3 mai 2016. Ah, regardez, c'est marqué là. Ah bah oui, regardez. Ah bah ça, forcément. Voilà. Ah oh, bah oui, là, je vous l'avais dit. Ah bah bien sûr, c'est évident. Ah, voilà, je vous l'avais dit. Voilà, c'est ça. Je comprends pas le japonais. Alors, c'est parti. On va goûter ça. C'est dans des petits sachets individuels. C'est magique, c'est parfait. Tac. Oh, regardez comme c'est beau. Waouh, 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 waouh. Allez, petit couteau magique. Voilà. Allez, encore une fois, j'ai envie de tomber sur la partie marron. Hop. Regardez. Voilà. On peut bien voir la petite goutte de marron, de châtaigne ici. Alors, je goûte. C'est bon. C'est encore bon. Même si c'est périmé, c'est encore bon. Parce que je vous rappelle que nous sommes en 2017, au mois de février. Et ces produits sont périmés depuis 2016, depuis mai 2016. Allez, maintenant on enchaîne avec, allez, le premier qui me tombe sous la main, le petit gâteau, voilà, en forme de petit panda, koala, petit koala plutôt, très mignon. Il est trop mignon, oh, c'est trop cute. Allez, c'est parti, on ouvre ici, go, tac, 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 voilà, et hop. Et hop, voilà, et la date de péremption en fait, c'est octobre 2016. Alors maintenant, on ouvre ça. Waouh, waouh, waouh. Ils sont un peu ternes, mais ils ont l'air bons quand même. Voilà, on coupe, regardons ce que ça donne. On va en prendre un entier aussi pour voir les petits dessins. Est-ce qu'il y a différents dessins? Ouais, bah oui, regardez. Je vous avais dit que c'était mignon. Allez, je goûte. Ouais, c'est pas très bon. C'est bon, mais pas très. Allez, j'enchaîne. Allez, on reste dans le chocolat avec l'œuf surprise Super Mario. Hi-hi. Allez, je l'ouvre. Hop. Il y a peut-être une surprise à l'intérieur, évidemment. Ah ben, c'est déjà ouvert. Voilà. Hop. Regardons la date de péremption en fait. C'est juillet 2016. Allez, petit chocolat, je pense que ça vaut pas un Kinder. Je goûte. Ah, pas bon. Pardon, je vais le recracher. Pardon. Me revoilà. Je pense que l'œuf surprise voilà, n'était plus très très bon. Bon, ouais, je l'ai recraché. Je ne le mangerai pas celui-ci. Et donc, oui, donc s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, c'est que je suis décédé. Voilà, voilà, voilà. Autant sur les produits Candy San périmés salés, il n'y a pas de problème. Je pense que les gâteaux apéro se conservent beaucoup mieux dans le temps que les produits sucrés. Alors, la surprise maintenant. Voyons voir ce que ça donne. Hop, oh. Ok. Dans la collection des petits Super Mario surprise, je voudrais la petite tortue qui pique. Voilà, c'est un méchant. Alors, je vais monter ça. Hop, allez. Je monte. Et voilà, c'est mignon. La petite tortue qui pique. Adorable. Ok, allez, on enchaîne. On est là pour manger. Après Super Mario, je vous propose du Yokai avec cette petite sucette de chocolat. Donc, comment ça s'ouvre? Je n'en ai aucune idée. Ah, si, là, peut-être. Voilà, hop là.
Alors attention, regardez la date de péremption, juin 2016. Allez, je l'ouvre. J'ai un petit peu peur parce que c'est du chocolat. Et le chocolat, périmé depuis juin 2016, je ne sais pas ce que ça donne. Mais on va goûter. Voilà, je lui coupe la tête et je goûte. Ça va, c'est bon. Non, c'est bon, il est bon. Allez, on reste dans le chocolat avec ces orangettes, des petits morceaux d'orange avec du chocolat autour et la date de péremption. La date de péremption, c'est mars 2016. Eh bien, j'ouvre, c'est parti. Il n'y a que des ouvertures faciles aujourd'hui, j'ai de la chance. Et hop, voilà. Et hop, ouais, c'est des petites billes. On n'a pas besoin de couper ça, si, ça se coupe. Alors. Voilà. Ouh, c'est trop mignon à l'intérieur. Trop mignon à l'intérieur. Allez, je goûte. Ah, j'adore. Super bon ça. Ok. On enchaîne avec les bonbons. Et on retrouve notre ami Yokai. Avec Komasan. C'est Komasan, je pense, celui-ci. Je crois. Komasan ou Jibanji, là, je sais pas quoi. Allez, je l'ouvre, c'est parti. Et voilà. En fait, c'est des petits bonbons, c'est des aspirines, quoi. Voilà. Ah ça se coupe pas du tout. Non, c'est pas très très pratique. Allez, je goûte. C'est bon. Ça, pour le coup, la date de péremption, c'est juin 2016. Mais alors ça, je pense qu'en 2026, c'est encore bon. C'est que du sucre. Il n'y a aucun problème. Les deux bonbons qui restent, je pense que ça va être super bon. Enfin, en tout cas, au niveau de la péremption. Le bonbon suivant, date de péremption, août 2016. Voilà, une sorte de bouteille. Ok. Yes. C'est de l'aspirine. Allez, deux pour la route, c'est parti. C'est beaucoup plus mou que l'autre, regardez. Facile à couper. Voilà, ça n'a pas tout à fait le même goût. Les deux sont plutôt bons. Et enfin, pour conclure cette vidéo, Candysan, produit périmé secret, voici... Je dis n'importe quoi. Pardon, c'est de l'humour. Voilà, alors, c'est au raisin. Et c'est rond. Et c'est rose. Et c'est bon. Je ne sais pas. On va voir. On va ouvrir. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça marche. Oh, c'est beau, mais c'est trop beau. Regardez ça. Par contre, je pense que ça va être compliqué à couper. Ouais, non, j'essaye pas. C'est trop dur. Ok. Hey. C'est bon, hein? On dirait une bille. Allez, je goûte. Ça arrache. J'ai bien fait terminer par ça. Le raisin, ça pique énormément. Ça fait des bulles sous la langue. C'est trop drôle. C'est effervescent dans la bouche. C'est plutôt pas mauvais. Non, les bonbons sont excellents. Voilà, je me suis fait un petit peu peur sur le chocolat Super Mario qui, je pense, avait un petit goût qui était passé. Donc, plus très bon. Donc, je ne le mangerai pas. Pour le reste, voilà, je vais faire mon petit tri et je vais garder ce qui est bon. Bien entendu, je mets ça dans ma petite boîte et ça va me faire des petits chocolats pour le 4h ou pour le dessert. Et sur ce, les amis, je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine sur Miam Food. Bien sûr, petit pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir les notifications. Prenez soin de vous, mangezbouger.fr, voilà, hein, 5 fruits et légumes par jour. Prenez, lavez-vous bien les dents, bien sûr, et on se retrouve en pleine forme dans une semaine. Allez, gros bisous, ciao.